Le temps des fêtes est une période déterminante pour les stations de ski. Au Mont Sutton, l'achalandage a été moins élevé qu'à l'habitude, avec la pluie et la température. L'organisation se dit tout de même satisfaite de sa période des fêtes, moins achalandée que prévu. Les gens ont de la misère à avoir la perception là, que c'est blanc dans une montagne actuellement quand c'est vert autour. Mais donc, on est une montagne blanche, on a des canons à neige qui ont fait leur travail, on a aussi Dame Nature qui nous a redonné un petit peu de neige dans les derniers jours, et il y a la neige qui s'en vient, donc on est bien positionné pour le futur. Le temps doux de mercredi ne freine pas les skieurs qui souhaitent profiter du ski avant la fin des vacances. Vu le manque de neige en ville, nombreux venus de Montréal ont fait la route pour profiter des pistes enneigées de la région. On a décidé de trouver un microclimat où il y avait reçu de la neige, puis on a eu ici, alors on en profite aujourd'hui. Je dis aux enfants, profitez-en, vous êtes vraiment chanceux. On est bien contents de pouvoir skier en famille, puis de profiter de l'hiver. Oui, c'est vraiment merveilleux. Les pistes sont belles malgré la météo et tout. On est content de venir ici. Belle façon de profiter pendant les fêtes. Exactement. À Halsted, les skieurs ont pu profiter des dernières précipitations pour dévaler les pistes dans un décor hivernal. L'équipe pousse un soupir de soulagement. La semaine de Noël n'a pas été la plus lucrative, mais définitivement qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on a reçu comme neige, quand on regarde aussi les investissements qu'on a fait en fabrication dans nos systèmes, bien, on est capable d'offrir 16 pistes, puis on ouvre d'autres domaines aussi. Là, on va ouvrir 3 nouvelles pistes demain. Du côté de Bromont Montagne d'expérience, on se dit un peu déçu, mais optimiste pour la suite de la saison. L'ambiance est à l'hiver là, dans les derniers 4 jours, mais on ne peut pas se cacher entre Noël et Jour de l'Est, c'était l'ambiance assez morose. Conditions de ski de printemps fabuleuses, mais l'ambiance t'as pas au maximum. Quand il n'y a pas de neige nulle part, tout est plus sombre. Mais là, on annonce un petit peu de neige cette semaine, du beau climat en fin de semaine. Donc, je m'attends là, pour le reste de l'hiver être à la normale en termes d'atmosphère. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan de la saison 2023-2024, mais une chose est certaine, les montagnes de ski espèrent avoir beaucoup de neige et beaucoup de skieurs sur leur piste. Corinne Crouzat, TVA Nouvelles, Mont Halsted.